J'avais bien filmé. Bon les amis, avant que la vidéo commence, sachez qu'on a déjà tourné cette vidéo mais qu'il y a une erreur carte mémoire, je vais péter un câble. Une vidéo de Barjo qu'on avait fait. Bon, on va essayer de vous refaire la même mais on peut pas refaire les mêmes blagues, tu vois, c'est pas possible, ça arrive sur le naturel. C'est bon, c'est les aléas du direct. Si ça vous erreur carte mémoire, là par contre là je saute dans les temps. Bon, allez, ça repart. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon là on est énervé, là on est vénère à Marius hein. Déjà il fait chaud, mais deux fois on tourne cette vidéo, là on est à cran. Là je peux te dire un agriculteur qui vient, on le fracasse là. Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous profiter de tous mes codes promo chez tous mes partenaires, c'est les soldes. Vous avez moins 5% chez 50 Factory, le lien en description, le code est à l'écran. Vous avez moins 15% chez Maxess, vous avez des moins 10%, des moins 5% chez Small MX pour les leaders, tout le bordel. Vous pouvez aller voir, tout est dans la description. Là on fait vite, on est fatigué hein Marius. Ah là, c'est bon. On est mort. Puis, je vais présenter ma nouvelle moto. Oh oui, je peux pas rester assis hein. Toi, ça dégage. Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle motocross. Je vais mettre les pouces bleus, abonnez-vous, on est battu 200 000 achats. 4000 pouces bleus, les amis, entraînement wheeling. Et vous montrer. Attends. Abonnez-vous à mon TikTok, on est bientôt 50 000. Allez-y, vous pouvez venir voir. Les amis, 450, 2024. Même pas encore pensé chez Honda qui est déjà chez moi. Bip, bip, ça marche arrière. Hop. Les amis, Tandis CRF 2022, comme vous l'avez vu, là, c'est tout beau, c'est tout neuf. Oui, bon, oui, t'embrasses. T'embrasses les sous que ça coûte ça, mais ça coûte un bras, hein, mais c'est amusant. Vous pouvez voir qu'il est neuf, comme disent pas. Facture, carnet, il y a tout le bordel. Regardez, ça, c'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est neuf dans le papier. Oh, faut pas se brûler avec le pot. Là, vu comment on a tartiné, on a fait un essai de Barjo, les amis. Je vous refais la présentation rapidement. Ah, je suis dégoûté que ça a pas filmé. Mais viens voir, Marius. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y a un témoin d'essence, qui a voyant moteur. Genre, c'était un problème dessus, là, ça, ouais, va être ça va être le voyant moteur. Tu vas chez Honda et elle passe en garantie. Sérieux? Ouais. La prise jaguette ou il y a une prise jaguette? Ouais, prise jaguette, tu fais une carto. Les amis, pour vous donner vite fait les compos de ce bolide allemand, 3,5 litres ou 4,5 litres, je sais plus trop. Bon bref, tu fais le plein tous les ans, ça consomme que dalle. Fais une vidange comme il faut en fait, quand tu l'entretiens comme il faut, ça marche une tonne, ça marche trop bien. C'est pour les 6 ans. Moi, toutes les personnes qui achètent ça, les mecs, il y a un délire en ce moment, c'est que tous ceux qui achètent ça, ils ont au-dessus de 6 ans. Donc vous allez voir que... Quoi? Parce que à 6 ans, si t'as ça, t'es le roi du pétrole de 1. Et de 2, c'est trop drôle à rouler. Bonjour. 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 C'est beaucoup trop drôle à rouler les amis, vous allez voir, vous allez kiffer. Enfin la course, tous avec des dés. Bref, je vais direct passer à la présentation, je pense que j'ai tout dit. Si, regardez la taille des fourches. C'est des fourches de bébé. Les disques, c'est... C'était combien? C'est 14 pouces. Ouais, c'est tout petit hein. Les derrière, c'est combien? Bah 12. Ouais. C'est des freins à tambour les amis. Bon, ça freine pas très bien, faut que ça soit réglé quoi. Faut que ça soit réglé, mais c'est plutôt cool. Du coup voilà les amis, compteur d'heures, c'est vrai. C'est vrai, parce que tout à l'heure on l'a remontré, donc c'est difficile de refaire deux fois la même vidéo. Mais vous pouvez venir voir, donc là, je me trompe pas. Il y a 7, est-ce que ça la marque, voilà, 7,6 heures. Donc voilà, petit compteur d'heures pour bien prouver qu'elle a 16 heures. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus, qu'il n'y a pas d'embrayage, regardez. Viens voir de ce côté Marius, viens nous voir le bolide. Il n'y a pas d'embrayage. C'est donc une embrayage automatique. Comme Marius l'a dit, en fait, quand elle passe une vitesse, à mon avis, qu'est-ce que tu as dit? Au niveau du sélecteur, en gros, tu passes, ça embraye et ça passe le rapport juste après. En fait. Exactement. Je pense là, sans embrayage, tu peux t'arrêter à n'importe quel rapport, la moto ne va pas caler. Tu peux t'arrêter en quatrième, ça va pas caler du tout. Et tu peux refaire des démarrages en quatrième, toi? Tu peux refaire des démarrages en quatrième, enfin, poignée dans l'angle, je pense, hein, parce que je sais pas si ça va repartir. En fait, il faudrait essayer. Bon, là, faudrait essayer. Mais sinon voilà, pour apprendre, il n'y a rien de mieux pour les adultes, il n'y a rien de mieux, vous allez voir, là on va vous faire le test. Alors les amis, on prend des précautions, on coupe la vidéo à chaque moment pour bien vérifier que ça filme. Eh comment on est dégoûté. Eh, une vidéo de Barjo les amis, j'étais parti dans le champ. Peace and love mon collègue l'agriculteur, j'avais pas fait exprès. Je voulais vous montrer que ça levait. Viens leur faire écouter le bruit. Pas de l'échappement. Écoutez. Petit voyant. Injection. Ça veut dire, tu prends ton doigt, après que tu te l'aies mis dans le cul, dans le nez. La tondeuse à gazon. Bon, c'est increvable les amis comme bécane, vous vous doutez bien, c'est du Honda. Bon, je refais pas la même, hein, mais regardez. Vous allez voir pourquoi j'ai acheté ça, c'est trop drôle. Donc là, on va passer au test les amis. Mais avant de passer au test, je vais mettre mon petit cax, toujours. Vous allez me le noter dans les commentaires les mecs sur 10. Merci Maxess France. Vous avez moins 15% chez Maxess les amis avec le code LEO15. Voilà, notez mon petit casque, je fais un petit tour sur moi-même. Rouler équipé en plus c'est l'été, donc c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut pas s'équiper. Hein Marius, dealer. Donc pour démarrage, viens voir, on va leur montrer. Ah oui, je vous ai pas montré les amis, taille de clé. Plus petit que mon zizi. Mais c'est un truc de ouf hein, la taille de la clé. T'as vu? Ouais. C'est tout petit, hop. Et après tu viens effectuer ta... S'il y a pas de vitesse, voilà, tu viens effectuer ta pression. Les amis, tu cales ta première. Trop drôle à rouler les amis, là je vais faire quelques allers-retours pour vous
voyez un peu comment ça tourne dans les tours. Après on fait du stunt. Et les amis, pour la fin de la vidéo, on vous a préparé, confectionné avec Marius. Ah ouais, ça bug le caméraman. Un méga saut les amis. C'est un truc de fou, du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut tenir l'audience les amis. Et allez, nous on s'en va avec le bolide allemand. Là, on va faire le départ arrêté comme chaque test de véhicule. On vous la présente. Moi, si j'ai oublié des choses à vous présenter, j'ai des questions parce que là, on a essayé de faire rapide. Départ arrêté, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Bon, les amis, une fois que vous avez vu le test de l'engin, que ça fait des. Vous avez vu que c'était un engin de wheeling. Je sais pas combien ça monte les amis, en vrai. Je pense dans les alentours des 60 km/h. Ouais je pense. Voire même un peu plus, il y a 4 rapports. En quatrième quand tu pousses vraiment, ça tartine. Les amis, on va passer au test du golem, 8 d'élixir. Ouais tu as testé ça mon gars. Pour prouver que même les gens qui font 1m90 ça passe. Bon même s'il est là déjà testé hein. Fais pas le mec, t'as déjà essayé. C'est vrai qu'on a déjà retourné la vidéo. Hey. Trop faux. Trop faux. Peut-être hein. Pour le golem de 8 d'élixir, comme dirait notre jeune ami Inoxtag. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis désolé, comment ça me fout le seum d'avoir tourné une vidéo de ouf. Genre vraiment, c'était trop drôle. Et de la refaire en fait, bah c'est... Je sais pas si vous voyez, mais le sentiment, il est pas naturel. Mais j'espère que vous kiffez quand même. Bon, Marius, les amis, n'a pas de casque. Roulez qu'un casque, parce que bah là, il en a pas tout simplement. Mais voilà, faites attention, là, on est dans la pelouse. C'est moelleux, c'est moelleux. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000. Regardez, là c'est l'été, je vous emmène sur un plan d'eau et tout, ça tue. Un jour, on l'espère, j'en aurai un pour moi. Un petit étang là pour faire du jet. Ce serait nickel. Là les amis, on va passer sur le saut. Et vous allez voir que même une 110, ça fait trop de stunt. Wow, la caméra, elle est brûlante les mecs, à tout moment, elle fond dans la main. Eh mais quoi, qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau casque les mecs? Moi je trouve que ça tue hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais beaucoup ma pub. Mais c'est parce que cet été j'ai un projet pour vous les amis. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez kiffer. Bon alors les ressentis chef? Bah ça marche bien. De fou. Ouais. Pour un mec de 6 ans, si t'as ça à 6 ans. Ça tue hein. T'es le roi du pétrole à 6 ans avec ça. Là, je fais 1m90, ça roule au calme. 1m90, 60 kg. Et ça roule au calme. Au calme. C'est. Ouais, c'est incroyable quand même. C'est une dinguerie hein. Bon c'est dommage. C'est dommage que ça coûte un peu cher, mais ouais, pour se balader, ça fait pas de bruit. C'est mieux qu'une Dirt quand même, t'as, ouais, t'as plus de. C'est Honda. Tout, ouais. Ah c'est Honda, t'as un châssis Honda, c'est. Le châssis là, il est quand même costaud, c'est pas un truc de... C'est pas un truc qui va casser demain. On essaie de démarrer en 3. Là j'ai fait en 2, ça a marché. Les amis, juste après ça, on va faire le méga saut. Donc là on essaye de partir en 3, ça a marché toi? Bah j'ai fait en 2 là-bas, ça a marché. On va voir en 3 pour vous montrer hein. Par contre, lever en 2, ça, je trouve ça lève mieux en 2. Ah ouais? Ouais bah là j'ai levé en 2, ça marche. On va voir après les mecs, on va vous faire le méga saut. Marius il va se positionner au saut juste après, vous allez... Arrête, en dessous du saut, hein. En dessous, allongé. Ouais. Tu penses que là je monte, première, vas-y. Troisième, ouais. Troisième, et là j'essaye de partir. Ouais. Ça part, hein, je t'ai dit. Et quatrième. Je suis en quatrième. Au-dessus, on peut pas. Ah, si. T'as donc fond, là, j'étais parti en deuxième. Là, bah. Je suis en quatrième, regardez. Là, le pied peut pas aller plus haut. Je suis sûr, ça part. Ouais, c'est obligé. Bon, c'est incroyable de partir en 4. Ah ouais, ça accélère tout doucement. Ça accélère tout doucement. Bon, les amis, on s'équipe. Marius se positionne au saut. Ça se trouve, la vidéo va s'arrêter là. Marius, des fois, les frères, ils filment. Ouais, les amis, bonne vidéo. Les mecs, Marius va se positionner sur le saut, je m'équipe, un petit saut, normalement ça passe crème, ou soit ça passe pas et c'est... Vas-y, va leur montrer. Bon, on ramasse les bêtises de Léo. Bon, voilà le saut. Ça chauffe. Ouais, tu sais, je mets une musique épique derrière. Bon les amis, vous avez vu le saut made in Marius, on espère que ça va passer. Croisez les doigts. Ouais, c'est bancal, chef. Bah... Tu prends au milieu. Vas-y. Et vraiment là. Mettez des pouces bleus les amis. Les amis. Mettez des pouces bleus. Oh la sensation les mecs, elle est trop drôle. Ça saute ou pas du coup? Bah je regardais la cam donc ah, j'ai vu que t'as sauté. Mais... Bah vas-y mets-toi à d'autres points de vue. Mais en vrai ça passe crème hein. Ouais. Le caméraman, tu rentres dedans là. Vas-y. Oh.
Allez, on est reparti par le saut, les mecs. Ma note artistique, 20 sur 20. 20 sur 20. Le saut les abonnés, le saut artistique, vous mettez combien? Pas mal, non, je pense. Je pense là, on a fait du triathlon, là. Du triathlon. On a fait du trial. Trial. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Nous, on va s'arrêter avec Marius, on va s'hydrater parce qu'il fait chaud, on va laisser la moto se reposer. Je pense que hors caméra, Marius va nous faire le saut. Le plaisir de nous faire le saut. Voilà. En tout cas, les amis, dites-moi si vous avez kiffé parce que on peut refaire plein de vidéos comme ça. Maintenant, c'est l'été. Les examens, c'est passé. Bon, dites-moi si vous voulez une vidéo, mes résultats du bac en direct live, j'y vais pour vous montrer que j'ai raté. Non, c'est pas vrai, les mecs, faut avoir confiance en soi. Tu vas en moto? Tu vas en Urus. Lamborghini Urus, les amis. Bah ouais, ouais. Vas-y. 4000 euros, la caution. Ah, c'est pas grave. Bref, les amis, merci à Marius d'avoir filmé la vidéo. Ses réseaux sont en description, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Le petit saut de l'extrême, frère. C'était un saut de l'extrême, là. Franchement, là mon collègue monsieur Martin, là, Bugnard. Je sais même plus comment il s'appelle, lui. Martin et GG, là. Ils ont vu le saut, là. Ils ont eu peur, ils ont tremblé. Les amis, j'irai bientôt chez eux. On va voir si Martin, il me suit dans les whoops. Bon après-midi à tous, bon appétit, bonne santé, bonne journée, bonne soirée, c'était Loé Marius, ciao. Bam. Fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to